Ah. Ah, des bagnoles, les gars. Et des bagnoles, on dit, oh ben, il y a un grand frère, viré les diasporas, les parias, les founous, les yanekounam savio, grand frère bien serré positif, hein, à ce qui paraît, et les yanekou, les gatakaen, savio, à traditoire. Présent, madou, madoué. Zégataire. Oui, ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit là, à ce qui paraît, ce n'est pas encore vérifié, il n'y a pas encore de preuves, mais à ce qui paraît, il y a un frère togolais de la diaspora qui est DJ, qui est en train d'attaquer n'importe comment aux soeurs là-bas, à Paris là-bas, à Lomé ici aussi. Il est séropositif et il le fait sans mettre de préservatif, sans protection. Viande couteau, viande baignée à quoi? Ouf, pas bien, grand frère, bien les niaques beaucoup. Hey les gars, le nom vous le connaissez déjà, c'est Jules Kayongso. Je suis là pour un nouvel épisode de L'Hello Talk, Nyon Tom, you already know. Donc si vous êtes prêts là, let's go! On le dit, mais est-ce que vraiment on le dit? Ok. Les lots, c'est la vie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Si je m'en demeure plus nu. Hey les gars, très franchement, c'est l'affaire du moment quoi. C'est genre, les gens, ça commence pas à prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont intéressées par ces rumeurs. Je dis bien rumeurs qui circulent sur la toile. Oui, c'est la page Wadio Radio qui a commencé avec les rumeurs là, et d'après cette page là, il y a une abonnée à cette page qui est rentrée dans l'inbox de la page pour, voilà, pour sortir ces allégations. Je les appelle allégations parce que pour le moment, il n'y a pas de preuve, hein, pour vraiment confirmer les dires. Il s'agit bien des allégations selon, ou bien des rumeurs selon lesquelles il y a un frère togolais, il est DJ à la diaspora, à Paris, là-bas, qui est en train de coucher avec les soeurs, les grandes soeurs, les petites soeurs, n'importe comment. Et d'après ces rumeurs-là, le frère, le DJ en question, est séropositif. Oui, ça veut dire qu'il a... Tu as compris. Il est séropositif. Et il est en train de gnapper de ken, de moukou les soeurs n'importe comment, sans porter de préservatif, sans protection. Et les soeurs aussi sont dans le move, dans la gamme comme ça, en train de se faire consommer, en train de recevoir les virus du VIH juste comme ça, sans le savoir. Comment est-ce que comment est-ce que les informations là, les rumeurs là, ont apparu sur la toile? C'est d'abord, comme je l'ai dit bien avant, Wadio Radio, cette page-là, qui a reçu un DM d'une de ses abonnés, je ne sais pas si c'est un ou bien une abonnée, qui dit, il y a un DJ de la diaspora qui est séropositif, mais qui contamine les femmes de la diaspora. C'est triste et il faut éveiller, il faut un éveil de conscience de votre part pour protéger les femmes de la diaspora. Si c'est pour se venger et il contamine les femmes de la diaspora, alors ça risque de contaminer tout le monde si on le dénonce pas. Hein? Ça risque de contaminer tout le monde parce que tout le monde est en train de se manger n'importe comment. Aïe, au de là-bas. Et c'est ça. C'est ça. Et bon, le message continue. Radio Radio dit, carrément, vous auriez un nom. Et bien sûrement avec les preuves de sa séropositivité. Quoi de plus normal? La personne, l'abonné dit le nom, oui, mais la preuve de sa séropositivité, non. Mais vous pouvez faire vos propres investigations. Et puis, Wadio Radio dit, ok, donnez-nous le nom, vous aviez été victime. Bien sûr que j'ai été victime. Ah, Jean, c'est une séropositive, ça. Ça veut dire, c'est une femme qui est en train de parler, ok. Eh bien, plusieurs de mes copines ont été aussi victimes. Eh, hey, non, le gars. Eh, le gars, là, c'est un vrai bourrousseur, hein. Ah oui, c'est un vrai donjon. Donc, il est en train. Donc, c'est ça. Oui, c'est ces informations-là qui ont fuité premièrement. Et après, il y a une autre capture d'écran qui est sortie venant d'une autre abonnée de la page a remarqué ces publications-là, qui est venue faire ses témoignages. Elle a dit, je viens par ici s'ajouter au témoignage. Radio, ma cousine a été victime aussi par ce DJ en question.
Elle a été contaminée et en plus du corona, elle a rendu l'âme il y a cela un an ici à Paris. Paix à son âme. Hey. Donc il y en a même une qui a perdu la vie dans. Donc il a filé VIH et puis corona en même temps. Two in one. Hey, je continue de vous lire. Ceci. Pour honorer sa mémoire et les polémiques, je préfère taire le nom, son nom. Ce Didier du nom, bon, la Wagner Radio a été malin. Ils ont mis rouge, rouge, ils ont essayé de cracher le nom de la personne. Mais je suis parvenu à lire Didier au début. Et puis, il y a un O bien zéro à la fin. Donc, on reviendra sur ça après. Donc, je continue. Ce Didier du nom, tant, qui contamine les femmes de la diaspora jusqu'à Lomé. Même à Lomé, il a contaminé des gens. Le gars, là, il mougou vraiment. Hein. Allez, mais c'est un endroit même. Je continue. Ma cousine avait laissé une lettre mentionnant son nom. C'est un psychopathe gigolo, tueur en série qui brise les foyers des gens ici à Paris et dans la diaspora. Au fait, avoir le VIH, c'est pas une fin en soi, mais se soigner, se protéger et protéger les autres est une responsabilité dans la société. Il faut par ce canal signaler ses comportements dans cette société pour diminuer le risque et alerter la diaspora. Je l'ai vu aussi dans la soirée de Ali Dez. La soirée du week-end passé là. C'est qui le DJ là vraiment? Qui est en train de gnapper de kendo? Et puis il est en train de contaminer les soeurs juste comme ça quoi. Mao. C'est inquiétant hein? Non, très franchement, c'est très inquiétant. Et il y a aussi Mathieu Nyasingbe qui a fait allusion à ça. Premièrement, Mathieu Nyasingbe a publié ceci. Il a dit, affaire Didier qui contamine les femmes sur Paris avec le VIH. Bagam, que je parle ou pas. Et puis après, il a posté aussi, bon, c'est gâté, hein, sérieusement, Didier, tant, 007. Toi-même, tu te connais, contacte-moi. Donc, si on comprend bien Mathieu Jessie de Kaya, Mathieu connaît le gars, le Didier en question. Et si on se réfère au nom que qu'a caché Wadio Radio sur l'autre capture d'écran, au début du nom, il y a Didier quelque chose. Et puis, ici, Mathieu Nyatingbe donne la fin du nom, 007. Donc, les gars, ceux qui connaissent un Didier au nom de Didier quelque chose, 007 là, mettez les noms en commentaire. On va lire, on va voir qui c'est réellement parce que ça devient grave. Oh! Tu es séropositif et puis tu es là à contaminer les autres. Pourquoi? Vengeance, il y a. Hein? Non, la vengeance, il y a. Je ne comprends pas. Comment est-ce que quelqu'un de normal peut agir ici? Vengeance, ça veut dire quoi ça? Contaminer les soeurs comme ça. Et puis c'est lui qui n'est pas tranquille. Hein? Il continue de mougou comme si de rien n'était quoi. Et on l'a vu le week-end passé dans la soirée où Ali Diaz a presté à Paris là-bas. Pour cette affaire, il y a le plus chinois des Togolais. Non, c'est chinois. Le plus japonais des Togolais. Le japonais au noir, Mao Takashino. Il a un message concernant l'affaire là. Tchale, écoutez ce qu'il a dit. Pourquoi pour Didier Leti que on est tombé dans le nez de Didier et donc il y en avait tant de Didier Leti. Mais il y avait France à les pieds. Il y avait les Bon, quand il y a un verbe, il y a beaucoup de gens qui ont Didier, on est dénoncé, les. Et nous, il y a un clan, il y a un tata, il y a un novio. Et bien, il y a un peu de jouer, mais alors, il y a un fidèle qui est. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Et il y a un peu Amedo no leya o se na vivi na nu parce que we oni no nu we fobe vivi jona dino on ba buna tamio kaka fogwe li na me opopo e bo toju ji pla pla ya le ya miserica e nene pe ba me on da bi be na ne be do roba vi ke protege na me na sida e nene pe ba me ala e nya ke le ya e ni be no be na e do wa o be o be na me re ba done ya a me want to any honvi parce que amerika o do gogo le mondi alo mi pompo pa pa pla. Il ne peut pas mais et faut vivre dans la dino à me dire donc bon on la tourne bien et d'eau roba vim les siwa ne big bon non non assez à non vivre tout cri de quoi ne badjo no chance mon la big bon air va m'y battre bien non bon parce que quoi toi mais toi va les tolé mais laissez mes fifi bien
ele nsu ochon gbo ni ni ngba be no be na ye be e fu ai ko e ro goji le po nonu ya po e po nonu ya po a o no po nonu are japapa na ji roba bi kin gbe ade gbo no e do la te no e ta gbo mo ni si da po eh les gars e gba ni an ma so ni ale pe est-ce que j'ai encore besoin de trop parler. Et est-ce que j'ai encore besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que Mao Takashino vient de dire dans cette vidéo-là? Est-ce que j'ai encore besoin de parler? L'ancien ne veut plus! Kakaïbe Vivia quoi? Vous voyez un peu là où ça vous conduit, non? Hein? Kakaïbe Vivia, vous voyez un peu là où ça vous conduit? Les gars, j'ai plus grand chose à dire, hein? Mais protégez-vous, protégez-vous. Vous rencontrez un gars aujourd'hui, demain, je vais vous ken, vous êtes partante. Ok! Mais protégez-vous, protégez. Roba bien, balé, retiens, fiolo. Même si c'est banana, bon, c'est rien, on a rien pour le vidéo, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est se protéger, les gars. Hein? Non, ça concerne pas que les filles, hein, mais les gars aussi, les gars. Tu rencontres la gauche aujourd'hui, tu arrives à la tchatcher et puis elle a accepté 2-3 jours après. Tu te dis, ouais, c'est un top. Hé, mon gars, ah oui, peut-être c'est un top. Elle a accepté à ce que vous couchiez ensemble, mais il faut se protéger. Tu ne la connaissais pas avant. Tu ne connais pas son historique. Tu ne connais pas ses palmarès. Son palmarès, tu ne sais pas si c'est un Lionel Messi ou bien un Cristiano Ronaldo que tu as rencontré, les gars. Il y a des filles qui ont des palmarès, mais les pommes, là. Si on te dresse la liste de leur historique là, tu vas t'état, si va doglo les patanes. Les gars, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous, hein. Agbele barami le doit aller, mais la vie est belle. Hein. La vie est douce. On souffre, mais les gars, s'il vous plaît, protégez-vous. Donc c'est l'affaire là qui est gâtée, qui est en train de prendre de l'ampleur sur la toile maintenant concernant ce DJ séropositif qui est en train de contaminer. Je répète, il n'y a pas de preuves, ce sont juste des rumeurs pour le moment. Juste des allégations concernant ce DJ-là. Et qui sait si il y a cette femme-là, ou bien les femmes ont juste décidé de salir son nom, on ne sait pas. Mais la suite, on le saura toujours. Donc, les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de L'Aile au Top. Le nom, c'est Julien Kéon. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Les lots, c'est la vie. Okay.